Voilà.
premiers participants qui se réunissent devant. Merci également Dominique, Dominique Joté de l'Arc-en-Ciel qui va nous faire vivre tout cet après-midi et qui va également nous faire vivre cette soirée, super soirée à l'Arc-en-Ciel, la soirée des Garçons de Café. Je voudrais également remercier quand même la police municipale sous la direction de M. Lechat qui vont nous permettre de ce parcours, d'avoir le sérieux dans le parcours des Garçons de Café. Bien, Dominique, à toi. Eh bien, nous allons laisser la parole dans quelques instants à Alain David qui va nous présenter, eh bien, tout simplement, la liste des concurrents qui sont en train de se réunir devant le camion podium. À toi, alors. Eh bien, à tous les commerçants d'être venus aussi nombreux, c'est Serge, la recette colonne avec Sylvain Gass et Gilo Miguel, le Brassard, notre bar également, qui nous vient avec l'intention à participer à cette deuxième édition de la course d'Arc-en-Ciel. Également quand même que l'année dernière, la première course des garçons de café et serveux a été remportée par Didier et Julienne de l'hôtel de la gare. Il a bouclé eh bien, les à peine 2 km en 16 minutes de jouer cette année. Concernant les serveuses de café, eh bien, la première était Lisa Eano, qui a, l'an passé courait sous les couleurs de l'étrier. Eh bien, cette année, elle court sous les couleurs du restaurant Sérazade. Elle avait bouclé, elle, en 19 minutes 55 secondes. En deuxième féminine, c'était Sylvie Sago du bar du balcon. Et en troisième, c'était Anne-Cérine Plessis de la Brasserie des Ducs. Eh bien, ces trois jeunes filles sont également devant nous. Eh bien, monsieur le maire en personne. C'est... Allez, Damien. On peut également applaudir et s'excuse. C'est Milton qui. Tout le monde pour cette. Votre deuxième course. Dominique, éventuellement, veux-tu redire quelque chose? Alain, oui. Alain, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous donner le parcours, l'itinéraire pour cette course des Garçons de Café? Oui, et eh bien l'itinéraire, donc, vous allez donc partir donc à 16h ici même, vous allez tourner à gauche ensuite, si toutefois vous avez renversé quelque chose, Ricard, il y a une bière table, une carafe Ricard, et bien sûr le plateau, là, voilà. Sur le parcours, donc, je vais moi-même précéder la course, vous la commenterez, et sur tout le tracé, vous pourrez vivre cette course de ma part. Également, deux véhicules sont en place, prêtés par le garage Ford, et toutes les électroniques étaient installées par un établissement fossé situé place Montsor. Il y a donc un véhicule solo qui se situe au carrefour de la Renaissance qui s'ablaise pour ses vendeaux, et un autre qui est place de l'entraide. Donc, les personnes sont là-bas, et je pense qu'ils m'entendent. Voilà. Eh bien, chers amis qui êtes au carrefour de la Renaissance et place de l'Entraide, eh bien, je pense que dans 5 minutes, le départ sera donné. Actuellement, nous sommes en train de faire une photo. Des petites photos de famille, je pense, en compagnie de M. Damien Lagron, représentant l'Amérique, et de Anna Fernandez, qui partage. À toi. Eh bien, nous allons laisser la parole dans quelques instants à Alain David, qui va nous présenter, eh bien, tout simplement, la liste des concurrents qui sont en train de se réunir devant le camion podium. À toi, Alain. Eh bien, pour cette deuxième édition de la course des garçons de café organisée par différents sponsors, comme Dominique a pu vous le citer, merci à vous tous, merci à tout le monde, à tous les commerçants d'être venus aussi nombreux donc pour cette deuxième course des garçons de café. Les établissements qui sont engagés, il y a le Café des Étaux avec Michel Cotin, Blanc, le Bar Pouce, Patrick Ferrat, Marc Boulan, le Bar des Sports, un bar qui vient de l'Aisne, représenté par Eric Tiratet. Le Café du Balcon, représenté par Joseph Pinault et Sylvie Sago. Le Diagonal, M. Anglais Serge. La Brasserie des Ducs, représentée par Christophe Charbonnier, Alain Trouillot, Anne-Séverine Plessis, Mylène Mabille. Au Petit Matel, représenté par Gilbert Gillot et Gérald Le Simple. L'Hôtel de la Gare, représenté par Didier et Julienne. Le Quai d'Yves, représenté par Raymond Lobo, Joël Reiss. L'Auberge Normande par Jacques Lino, le Roller, Guilin Olivier, les 7 colonnes avec Sylvain Gass et Gilo Miguel, le Brassard, un autre bar également, qui nous vient de l'Aigle, représenté par Lionel Lecomte, le Piano Mécanique avec Jean-Luc Houry et Fabien Moreau, le Lipstick, la seule discothèque en, avec l'Arc-en-Ciel à participer à cette deuxième édition de la course du Garçon de Café, Philippe Piquant, Jérôme Levisquet, le Vénétia, représenté par Christian Tresseau, Sérazade, représenté par Lisa Reano, le Sporting Bar par Jacques Vandin, le Café La Renaissance par Éric Villat, la Chandelle avec Catherine Evin et l'Arc-en-Ciel bien sûr. Nous avons engagé bon nombre de nos serveurs
Dominique David, Laurent Bénédic, Christine Taubenier, Bruno Leroy et Arnaud Borgiac. A noter également quand même que l'année dernière, la première course des garçons de café et serveuse, Pinchago du bar du balcon, et en troisième, c'était Anne-Séverine Plessis du la Brasserie des Ducs. Eh bien, ces trois jeunes filles sont également présentes cette année. Alors, pour cette deuxième édition, qui sera bien sûr premier, nous le saurons d'ici une petite demi-heure. Sur le podium devant nous, eh bien, monsieur le maire en personne s'excuse de n'être présent aujourd'hui, mais il est représenté par son premier adjoint, donc, à savoir monsieur Damien Dagron. On peut l'applaudir quand même. On peut également applaudir et s'excuse, c'est Nissan qui est absente cet après-midi puisqu'elle concourt ce soir pour Miss Normandie. Et donc elle est représentée bien par Miss Arc-en-Ciel, à savoir Anna Fernandez sur le podium qui l'on applaudit également. Merci donc à tous les sponsors, merci à la ville, à la municipalité. Merci à Madame Garnier de la préfecture, à Monsieur Le Sart, donc de la police municipale, Monsieur Demo du commissariat, et merci à tout le monde pour votre participation, disons, à cette deuxième course. Dominique, éventuellement, veux-tu redire quelque chose? Alain, oui. Alain, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous donner le parcours itinéraire pour cette course des garçons de café? Oui, et bien l'itinéraire, donc. Vous allez donc partir donc à 16h, il sera changé pour ceux qui ont participé l'an passé. Je vous signale que cette course veut ne pas dire courir, mais vous devez marcher. Sur le parcours, il y aura bon nombre de commissaires. Vous n'avez pas le droit de courir, vous n'avez pas le droit de couper, et vous n'avez absolument pas le droit de mettre un corps étranger sur votre plateau. Pour équilibrer votre plateau, donc, soit un paquet de cigarettes ou autre. Hein. Les commissaires veilleront à tout ceci. À l'arrivée, donc, il y aura un petit couloir, vous devrez rester en file, de manière que deux autres commissaires vont contrôler si votre verre est renversé, si votre bière n'est pas renversée, votre carafe et votre sanglier. Et à ce moment-là, si quelque chose est dégradé sur votre plateau, eh bien, vous aurez des points de pénalité. Ce qui ne veut pas dire que si vous arrivez premier, vous serez forcément le premier. Si toutefois vous avez renversé quelque chose, vous aurez forcément des points de pénalité. Ce qui est arrivé l'an passé, au troisième, à savoir que c'était Stéphane du Cheval Blanc. Il était arrivé deuxième et malheureusement il s'est retrouvé troisième. Qui a bénéficié de la deuxième place, eh bien c'était Alain Trudeau de la Brasserie des Ducs. Voilà, je pense qu'au niveau parcours, je n'ai rien oublié. Donc, Monsieur Lambert étant absent, il est représenté par Monsieur Damien Dagron. Monsieur Damien Dagron, merci de votre présence. Voulez-vous, au nom de tous les commerçants, nous dire un petit mot, s'il vous plaît? Venez peut-être nous rejoindre. Cette initiative qui est reconduite pour la deuxième année semble être une très bonne opération. Il y a pas mal de visites. Malheureusement, je crois que j'aurais été peut-être plus à l'aise à tenir en plateau qu'à être derrière un micro. Alors je dis bravo à tout le monde et félicitations à celui qui joue d'honneur. Alors rejoindre l'issue car il sera carrément en première ligne pour commenter l'évolution de cette course juste par minute selon par seconde au fil des virages, au fil du parcours, tout au long dans le virage d'Alençon. Alain, j'attends qu'il soit prêt et que ce soit un choix là. Oui, qu'est-ce que tu racontes? Oui, Alain. 5h05. Et bien moi, je suis en place. Marron, je retarde toujours. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai gagné. Alors moi, j'ai 4h05. Dès que je suis dans le 4h, je dis qu'il y a 7h. Et bien, si tout le monde est en place, et bien, je vais te laisser le point. Je vais le départ en compagnie de monsieur Damien Dagron pour cette deuxième édition de la course des garçons de café. Monsieur Damien Dagron. 3, 2, 1, le drapeau est laissé, c'est parti, les garçons de café sont partis en tête à l'entrée. Et on va aller à la Ricard, moi,
Dominique, au loin là-bas, on le reconnaît à son crâne. Voilà.
À la première féminine, je la vois là, elle est là-bas avec son tablier, peux-tu me dire de qui il s'agit? C'est le numéro? Non, mais ça va pas. Il s'agit de jeune fille de la taverne de Lovenbro, chauffeur. Vous restez en ligne de la taverne de Lovenbro. C'est Frédéric. La première demoiselle vient d'arriver, mon ami Dominique. Je te signale que la première demoiselle vient d'arriver, c'est le numéro 3. C'est Frédéric, c'est ça là, Frédéric, non. C'est Frédéric, alors à taverne de Lovenbro. C'est ça, voilà. Je te dis ça tout de suite sur nom de famille, à la taverne de Lovenbro. Frédéric, c'est ça, voilà. Donc il semble que ce ne sera pas Lisa Erno qui remportera cette épreuve comme l'année dernière, voilà. Le micro à chèque, s'il te plaît, tu peux revenir à la solo pour le technicien, merci. Les concurrents maintenant de les voir redéposer de plateau où vous les avez pris.
Je vous demande de faire très attention de ne pas renverser quelque chose. Et je vais demander au commissaire de venir me rejoindre dans le peu signalé de la présence de Jean Leveux de la Poste, puisque la Poste nous a envoyé quand même gratuitement 600 courriers, 600 bulletins d'inscription. Je pense qu'on peut appeler la Poste pour cet envoi gratuitement. Gratuitement. Dominique Le Tellez, donc en prédit du Suerdas, on se retrouve pour une quinzaine de minutes. C'est ça, nous allons attendre la plus belle qui arrive avec ses cassettes. Et je vous rappelle qu'à partir de 17h30, eh bien, le cocktail gratuit offert par la Société Ricard sera donné dans l'enceinte de la discothèque. Oh. Ah, alors que j'aperçois là-bas un concurrent qui arrive, c'est Fabien du PMI, c'est Fabien du Pilot Mécanique, il est escorté par plusieurs commissaires de course. Il lève la main, visiblement très détendu, la course s'est bien passée pour lui, il arrive. Et je vous rappelle que le cocktail lui... Oh. Et bien non, c'est le maniement du bâtiment. Oui. Voilà, c'est une chorégraphie que nous allons voir, une chorégraphie qui a été montée bien par la chorégraphe du Suriname, c'est Christine. J'introduis la cassette dans l'appareil. Mesdemoiselles, vous êtes prêtes? Mesdames et messieurs, sous les applaudissements, le Suriname. Maintenant annoncer les trois premiers garçons et les trois premières jeunes filles. Et nous ferons une photo donc. Et ensuite, bien sûr, chaque personne se verra remettre aussi un lot. Cette comité prix va donc être faite en compagnie de Anna Fernandez, Miss Arc-en-Ciel, et également de M. Michel Bourdier, qui représente donc la mairie. M. Michel Bourdier, vous voulez bien venir à nos côtés. Monsieur Bourdien, confirmer tout de suite, il va nous confirmer. Monsieur Bourdien, Bourdien. Bourdin, vous venez expliquer, monsieur Bourdin. Représentant donc la mairie, puisque monsieur Lambert étant absent, il est aux États-Unis, me semble. Voilà, c'est un genre bien sûr professionnel. Nous allons donc commencer par les dames. Nous allons donc demander la première, il s'agit de Frédéric Cézan de la taverne Novembro. Frédéric Cézan. Ah, qu'elle ne vient pas, Fernande, pour moi. Bravo. La numéro 2, il s'agit de Lisa Eano du restaurant Sherazade. Lisa. Et elle avait terminé première l'an passé. Et classée troisième, il s'agit de Sylvie Sago du bar du balcon. Et c'est également une troisième place déjà, je pense, déjà l'année dernière, il me semble. Pardon? Deuxième l'année dernière. Ah, il fallait dans le sens, pourtant. Voici. Côté garçon maintenant, comme je vous l'ai annoncé en fin d'après-midi, en premier, c'est Didier Julienne, du Grand Hôtel de la Gare. Bravo Didier pour sa deuxième victoire consécutive. Hein. Classé deuxième, c'est Alain Trouillot de la Brasserie du Duc. Et je pense que c'était déjà le classement l'année dernière, il me semble. Alain, tu étais classé deuxième, je crois, l'année dernière. Et bien voilà. Et cette année, il a amélioré son temps. Il s'agit de Gilbert Gillot du restaurant Omnivatel. Il est arrivé deuxième ou troisième, c'est Joël. Joël s'est trouvé déclassé parce qu'il a couru. Donc il a eu des points de pénalité, il se retrouve donc déclassé. Hein. C'est la logique du règlement, comme il est annoncé. Hein. Ces points de pénalité, ce n'est pas moi qui les ai distribués, ce sont les commissaires sur le parcours. Voilà donc les trois premières femmes, les trois premiers messieurs. On va donc leur remettre les petites enveloppes. Les petites enveloppes, les prix. Alors, ne coupe pas le micro. Le prix est
1, 2, 3, voilà. Pour la fois qu'on pense à investir au niveau micro, solo, ça commence à se dégrader un tout petit peu. Alors, le premier se voit remettre 1000 francs de prime. Alors, c'est Didier Julienne, la première également. Frédéric, 1000 francs de prime, la première. La première, voilà. Le deuxième, 700 francs de prime. La troisième également, 700 francs de prime. Le troisième, de 500 francs, il me semble, voilà. Nous allons remettre la verre de fleurs également à la première. Je vais laisser le soin, mais pas très grave. Ça sera pour nous, Madame Bonnier. Hein? Michel, je vais te laisser le soin de remettre la verre de fleurs à la première. On leur remet également un plat de à chacun. Voilà, un bon à chacun pour le pressing, le bon d'allégoyage de pantalon. Je rappelle que tous les lots et les prix, bien sûr, sont offerts par tous les commerçants qui étaient situés sur le parcours. Un livre Ricard, un Bob Ricard, je suppose, également. Un Bob Ricard. Y a-t-il autre chose qui est réservé au premier? Parce que, avec le fil, je ne peux même pas aller jusque là-bas. Oui, c'est normal, s'il vous reste quelques mots. Il y a également un cocktail qui vous est offert par le bar cocktail Limitus. Hein, il vous sera remis un petit peu plus tard. Et également, la chambre de commerce vous remettra un livre, un guide pratique de l'ordre. Il vous sera envoyé personnellement. On va remettre également un trophée. Alors, je pense qu'on peut peut-être les laisser choisir au niveau du trophée. Alors, vous allez prendre tout de suite un petit un trophée, celui qui vous convient, un par personne. On revient ici, on fait une photo. Vous allez choisir le trophée, d'accord? Allez-y. Un trophée par personne, mesdemoiselles. La première, le premier, la deuxième, le deuxième, la troisième et le troisième. Je crois que tu viens de me terminer combien les joueurs? C'est quatrième? C'est ça, quatrième. Eh bien, il va dans le bon sens. Troisième, peut-être que vous avez place l'an prochain. Vous prenez un trophée, celui qui vous convient. Ça s'appelle. Ou d'armes, je crois qu'il y a l'un des armes, oui. Une médaille. Et si quelqu'un peut me retrouver dans les enveloppes, l'enveloppe marquée cocktail, cela m'avancerait. Il y avait donc du beau médaille, c'est parfait. Vous pouvez juste les tous. On est pour lui. On va le pas trop tarder quand même, on va faire un petit choix. Mais il y a. Deuxième tour des garçons de café, mais donc patronné par quelqu'un, la bière d'âme, le cuir d'âme, le AFL également, l'or des taux, et bien sûr le concours de nombreux personnes. Il y a également le concours de la préfecture, ça y est, pour la tête du trophée. Également, bien sûr, les sponsors, les organisateurs. Il va choisir un lot donc ainsi sur les listes. Il
va annoncer le numéro qu'il y a devant et on lui remettra donc le numéro correspondant sur ce lot. Il n'est pas là, Joël. Alors, Christian Presto, numéro 21, il portait de ça. Christian Presto, c'est la pizzeria Venezia. Tu choisis un lot, s'il te convient. On va lui remettre également donc une médaille, un bon pour le nettoyage de pantalon. Voilà, plus une deuxième petite affaire de l'observation de l'Erica. Le numéro 7 au niveau de l'eau. Numéro 7 au niveau de l'eau. On va lui remettre également un trophée. Oui, oui. Voilà, et tu prends un trophée au passage. Ensuite, Gino Miguel, les 7 colonnes. Vous avez toujours la même chose, hein, donc, hein, tant qu'il y en a, on en donne. Le lot numéro 16, il choisit, il prend un trophée également. Tu ne vis pas la fiole Ricard, là, je suppose, non, tu ne vis pas. Ensuite, Christophe Charbonnier, de la Rapide du Cœur. C'est un grand paquet, le numéro 16, un grand paquet. Il est là-bas, sur le côté certainement, peut-être. Il y a des autres. C'est peut-être ça, ouais, c'est celle, c'est écrit dessus, hein. On ne voit pas, mais c'est ça. C'est celle de tarte, c'est bon. Christophe l'a parti, voilà, il veut le numéro 8, Christophe. Très bien. Même chose, Christophe, qui va prendre un trophée. On va te remettre un bon pour un nettoyage de pantalon. Tous les Alain, c'est Erika. Tu veux les continuer à donner tes... Parce que je crois que tout à l'heure, tu viens d'intervenir juste avant, là, ton chapeau, ton truc, tout ça. Voilà. Christophe, petite seconde, on va te donner également tes petits lots. Voilà, très bien. Ensuite, Bruno Leroy de la Sentielle. Bruno, tu viens d'inventer de ton rap et de Vincent. Bruno. Le temps qu'il arrive, vous pouvez donc revivre ce que ça. Pendant la remise des prix, déguster un cocktail offert par la société Erika, n'hésitez pas. Servage, c'est le premier méga. Alors là, hein. C'est pas bon, c'est normal. On est très amis ici. Ensuite, Gérald Le Saint, également du Petit Battel. On applaudit Gérald. Bravo. Même principe, tu choisis un lot et on va annoncer le numéro. Une médaille, un bon pour le pressing, un trophée. Ah oui, tu prends un trophée, oui. Tant qu'il y a des trophées, vous en prenez, hein. Le lot numéro 38. Ah oui, il y a également des jeunes Gérard, tu viens à mes côtés. Mais non, je vais faire une petite surprise. Tu restes un petit peu anonyme, enfin anonyme c'est difficile parce que la pub peut être obligatoire. Ton portable il est très bien, il n'est pas dans ma collection. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ça n'est pas peur, c'est pas l'anglais, en tout cas pas moi. Ensuite, après Gérald, eh bien, c'est le Rédiscothèque qui m'a fait énormément plaisir en participant, le Rédiscothèque de l'Orme. C'est le Rédiscothèque qui a laissé Philippe Piquant. Il est absent, c'est le sujet, mais il y a un de ses directeurs qui est là. Ah, je sais qu'il y a un directeur de l'ISPIC qui est présent dans la salle. Ah non, on va quand même pas me faire ça. La seule discothèque de l'ordre représentée avec l'arc-en-ciel, et il n'est pas là. Eh bien, tant pis. Eh bien, après, c'était Jérôme Delis. Et je pars juste à la course. Je ne dis pas que j'en ai le premier. C'est pour m'appliquer, hein, pour quand même mettre de bonne volonté. Hein. Dimanche dernier, nous étions à Condé-sur-Sarthe. Il y a un relais. J'ai bien couru, ça en fait, mais je dis, il ne court pas, il galope. Il galope. T'as plus de musique, Félix. Je te dis après les micros, ça y est, les platines sont en panne. Tout en panne, Félix. Voilà, puis je bien compte également. Demi-carine ensuite, toujours de la cancelle. D'abord.
Il se prépare Marc Boucan du Marpousse. Marc. Alors, on repart, je vais prendre la viande rouge. Tu choisis un lot.
Un petit sourire, madame, bravo Mylène.
Pour la soirée. La petite photo traditionnelle.
exceptionnel, la caméra vidéo, tout va bien, tout est normal. On va plus trop tôt, vous voyez la caméra. C'est bien, continuons. Et remercions monsieur. Je vais s'en attendre, hein. On peut donner un avant. On le met. Monsieur Boudin, Bourdien. Michel Bourdien, monsieur. Bourdin, voilà. J'ai un employé municipal à ma gauche qui m'a dit monsieur Bourdin, conseiller municipal qui représente monsieur. Il y a un à la gauche.